Donc salut à tous et à toutes, ici O59 et bienvenue les amis aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le matos en motoculture, c'est-à-dire tondeuse et rotofile, parce que pas des broussailleuses, puisque c'est pas thermique. Bon, je peux pas dire qu'une débroussailleuse électrique, ça existe pas, ça existe. Mais je préfère dire débroussailleuse, donc j'ai une débroussailleuse électrique et une tondeuse électrique. Donc je vais vous montrer le matos, mais je ne vais pas trop rester de temps dessus parce que bah déjà l'électrique ça me passionne pas. Donc on va aller voir ça. Donc simplement que je descende parce que j'étais déjà dans ma chambre. J'étais en train de regarder si j'avais pas loupé des petits défauts sur le PlayStation 2 que je lui avais fait. Alors on m'a mis dans les commentaires de la vidéo sur laquelle j'avais fait la petite surprise pour vous. Et on m'a demandé si je pouvais la faire gagner. Alors j'ai dit non parce que tout simplement que. Voilà quoi. Donc là déjà la petite tondeuse ici qui est une Wolf. Ouais, outil Wolf. Électrique. Donc, qui sera un jeu de merde. Pour la débroussailleuse, je sais plus où elle est. Je pense qu'elle doit être chez mon grand-père. Mais c'est une outil Wolf aussi. Enfin, je sais pas s'ils font des Wolf. Si outil Wolf font des débroussailleuses. Donc je sais qu'on a une débroussailleuse mais qui bug un peu. Donc dessus on n'a qu'un bouton qui est ici. Bon, elle marche très bien, là, je vais vous dire, elle a 27, elle a même, ouais, elle a 27 ans, c'est ça. Il tient très bien. D'ailleurs je risque de vous faire un petit FC vite fait avec la tondeuse. Hein. Si vous voulez je la sors et je la démarre. Bon il est 10h33, ouais. Quoique je peux la sortir pour la démarrer. Alors, on va le faire. Donc let's go. Est-ce que j'aurai assez de longueur sur la prise? Non, je pense pas. Non, bah je vais prendre la rallonge quand même si ça sert à rien qu'elle soit aussi grande. Pas grave. Il faudrait que je la foute dans l'herbe parce que tout simplement parce que si j'aspire des cailloux, là, ça fait mal dans la lame, hein, sérieusement. On va pas mettre le bac. Parce que mouillé. Mettre le bac, je vous en fais un démarrage vite fait. Je vais pas aller trop longtemps allumer puisque elle consomme à mort. C'est du 1300 watts celle-là et ça consomme énormément. Donc, le moteur électrique, c'est un euro tonde d'or. Je vous ai pas montré, ça rend de la merde, mais je peux faire un vidéo quand même parce que ça fait quand même partie de la moto future quand même. Putain, mais t'en fais du bruit, toi. Je préfère le thermique, c'est plus facile à manier. Aïe! Le thermique, d'accord, c'est plus compliqué en entretien, mais c'est plus facile. Hey! Vous pensez pas ça? Alors, voilà. Par contre, faut que je fasse vraiment gaffe parce que la lame, elle a tendance à se détacher, donc je vais contrôler si elle est plutôt. Pour ça, je vais pas la brancher. Je vais voir si elle était, si elle tient bien. Ça a tendance à se desserrer. Arrête-toi. Le problème c'est que ça doit être un écrou de 20. Donc on va la démarrer. Oh putain, par contre après ça va galérer à remettre sur les pattes. Voilà. Donc attendez, je vais poser la cam comme ça en l'air. Where is the branching? Et je lui démarre ça. Donc par contre excusez-moi pour le bruit des bagnoles. Et peut-être m'éloigner parce que si la lame elle saute. Comme surtout qu'elle a 27 ans, ça ferait pas plaisir. Attendez, voilà. Donc je sais pas si vous avez entendu le genre de grincement, mais la lame grince beaucoup. Ben, comme je vous ai dit, elle a 27 ans quand même. A été très bien entretenue depuis toutes ces années. Donc bon, ce que je trouverais un peu con c'est qu'elle lâche. Je vais attendre que la lame soit bien éteinte. Elle tourne encore. Elle est très longue à s'éteindre sérieusement. Donc, comme je vous ai montré, elle fonctionne, mais elle fait un bruit horrible. Bon après c'est du Outil Wolf, c'est du costaud ça aussi. Et je veux dire que moi je préfère juste en marque thermique, je préfère Steel et chaud et puis et comment que ça s'appelle? C'est pas Steels, c'est ni chaud. Enfin, ces deux-là j'aime bien. Ouais, ou Varna, voilà, c'est une très bonne marque. Très très bonne marque, hein. Y'a pas à se plaindre.
mais il va falloir que je repousse. Ouais, ça m'a fait chier ça. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, vous abonner. Et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo.